Wesh les potos, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment obtenir les distinctions de spécialiste à propos des armes. Donc c'est des petites médailles de spécialiste que vous débloquez quand vous utilisez vos armes. Alors pour débloquer ces médailles, vous allez devoir utiliser soit un fusil à pompe, un fusil d'assaut, un pistolet mitrailleur, un fusil sniper ou une arme explosive. Ce que vous devez faire c'est un nombre de dégâts avec les armes. Donc pour le fusil à pompe et le fusil d'assaut, c'est 250 points de dommage aux adversaires. Le pistolet et le pistolet mitrailleur, c'est 150 points de dommage. Et le fusil de sniper et l'arme explosive, c'est 200 points. Et je pense même qu'il y a une petite erreur parce que je pense que le fusil sniper et l'arme explosive, c'est 150 points aussi, mais je ne suis pas sûr. Bon là, sur le site Breakflip, ils disent que c'est 200 points. Donc peut-être ils se sont trompés ou peut-être c'est eux qui ont raison. Enfin voilà, je vous ai cité pour chaque arme combien de points de dommages vous allez devoir causer aux adversaires pour débloquer cette petite médaille. Bien sûr, vous pouvez en faire plusieurs par partie. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller en foire d'empoigne. Comme ça, si maintenant vous faites 249 points de dommages au fusil à pompe et puis que vous vous faites tuer, vous avez juste à réapparaître, tirer une balle et faire un dégât pour débloquer votre médaille. Et bien sûr, vous pouvez débloquer les 5 médailles pour réaliser ce défi en une seule partie si vous prenez 5 armes différentes. Par exemple, vous prenez un fusil à pompe, un fusil d'assaut, un pistolet et un pistolet mitrailleur plus un fusil sniper ou une arme explosive, donc un bazooka, un lance-grenade, etc. Et vous débloquez chaque médaille pour chaque type d'arme. Vous avez 5 emplacements dans votre inventaire, donc logiquement, c'est totalement faisable. Donc voilà pour mes petites astuces, j'espère qu'elles vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Sois Cool Mec et ciao, peace.